Comme je suis le maréchal de la brigade des sorciers, le guide spirituel de la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles. Je suis à cette date aujourd'hui, samedi 25 juillet, à mon bureau, juste après la veillée d'hier. La veillée d'hier, par la grâce de Dieu, nous avons assez de monde ici. C'est pour cela que je n'ai pas pu recevoir des gens sur le Skype. Voilà, je m'excuse parce que la reprise des activités, il fallait s'imprégner de certaines réalités au niveau d'ici et tout ça. Quand je suis arrivé de Maroc, directement, j'ai eu des émissions de télé, tout ça, donc je dois m'excuser. Vraiment, il faut souvent comprendre qu'il faut comprendre le prophète. Je vous comprends. Au moment où on a des rendez-vous sur le Skype, souvent les gens me laissent des textos vraiment bizarres parce qu'on a dû manquer un rendez-vous. Mais ils ne savent pas qu'il y a une réalité. Quand je quitte l'étranger, je dois m'imprégner de certaines choses. Je fais 2 semaines hors de la Côte d'Ivoire. Je suis rentré, donc il y a certaines réalités auxquelles je dois m'imprégner d'abord. Après, on a une veillée. Donc aujourd'hui, je n'ai pas pu prendre les gens sur le Skype parce qu'on avait tellement de gens ici. Donc j'ai reporté le rendez-vous pour lundi. Voilà, pour lundi, à partir de lundi, toute la journée, je vais m'atteler à ça. De lundi, à partir de 10h et ça, je suis en Côte d'Ivoire, je vous assure que je vais m'atteler à ça. Je suis en train de m'organiser pour que cette histoire de Skype. Donc j'ai dit à un moment, Naomi, ce n'est pas cette histoire d'huile, de stopper avec ça, parce qu'il y a des gens déjà, nous ne sommes pas forcément des commerçants d'huile. Nous voulons aider des gens. Donc même s'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu, donc il ne faut pas relancer la vente d'huile, non. Ça va perturber, mélanger un peu nos programmes. Donc j'ai dû délaisser cette histoire et tout ça. Nous allons nous organiser par la grâce de Dieu pour pouvoir aider tout le monde. Et après ce système, nous allons mettre un autre système en place. Parce que j'ai l'intention de créer quelque chose à la longue, vous annoncez ça par la grâce de Dieu. Voilà, donc je m'excuse, mais s'il vous plaît, ne laissez pas les textos vraiment comme des formes d'injures, comme c'était une obligation, pas une obligation, c'est un devoir. Voilà, c'est un devoir pour moi de vous aider, mais en même temps, j'ai des contraintes, je ne suis pas Dieu. Si je sens que je ne peux pas le faire parce que c'est avec la tête qu'on travaille, même sur le Skype, voilà, tout ça. Donc, c'est du temps, c'est une grâce. C'est le temps que je mets, voilà. Ici, il n'y a pas assez de temps. Donc, je m'organise quand j'ai le temps, je vous relance. Voilà, je vous relance. Donc, je ne suis pas Dieu. Et s'il n'y a pas un bout de temps, je vous donne le temps que j'ai. Parce qu'au Maroc, c'était vraiment difficile. Mais je suis revenu au pays. Ce n'est pas facile sur le Skype. C'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas facile de prendre les gens sur le Skype. Ça dépend d'un programme. Voilà, donc que Dieu bénisse, beaucoup d'excuses pour ceux qui ont eu des rendez-vous quand ils manquaient sur le Skype. En même temps, j'annonce un événement puissant, un événement, cette fois-ci au Maroc, à Rabat. Nous repartons pour la troisième séance d'édition à partir du 29 au 30 août. 29 au 30 août, je précise, 29 au 30 août. Cette fois-ci, ça sera encore plus très bien organisé parce que je vais même demander à Géropole, vous appelez M. Géropole, je laisse le contact suivant. C'est 212-66-48-14-892. Je reprends. Plus 212-66-48-14-892. Je reprends encore. Je donne encore notre numéro. Plus 212-53-35-90-402. Plus 212-53-85-90-42. Il s'appelle Monsieur Géropole. Je reprends. Plus 212-66-48-14-892. 892. Encore un autre numéro. Plus 212-53-85-90. Plus 212-53-35-90-402. Plus 212-53-35-90-402. Plus 253-35-90-42. Voilà, donc ça serait très bien organisé. Appelez M. Géropole depuis le Rabat. Comme ça, lui vous mettra en contact avec moi. Je lui ai dit, tous ceux qui vont venir, vouloir venir au Maroc, au Rabat, j'ai reçu des gens, ils m'ont appelé directement pour la confirmation de leur arrivée à Rabat. Voilà, pour que nous puissions vraiment prendre les dispositions telles que j'ai les explications que je dois donner au téléphone par rapport à tout ce qu'il suffira là-bas. Je dois confirmer leur arrivée pour que moi, à mon niveau, si je puisse maintenant prendre les noms des gens, commencer déjà à prier pour eux, entrer dans les moments de jeûne, commencer déjà à prier pour eux dans les moments de jeûne. Et ça, cette rencontre sera encore plus bien organisée par la grâce de Dieu parce que je ne veux plus que ça serait privé. Nous allons organiser Rabat comme un truc privé
Voilà, hors caméra, vous venez hors caméra, on ne va pas filmer, on ne va pas filmer des séances de délivrance là-bas. Peut-être que les séances des enseignements, si possible, par la grâce de Dieu, mais les séances de délivrance ne seront pas filmées. Nous allons recevoir des gens individuellement, vous écouter cette fois-ci, mettre beaucoup d'accent sur la délivrance. Nous allons vous délivrer jusqu'à ce que qu'on sente que les démons ont quitté vos corps, qu'on sente que la maladie a quitté vos corps. Donc nous avons le 26, ça démarre le 26, nous avons le 26 jusqu'au 30. Donc maintenant, prenez les dispositions. Voilà, vous appelez Jéropole, dès que vous dites que vous arrivez, et vous insistez que vous donnez mon numéro. Insistez que vous donnez mon numéro comme ça, moi, à mon niveau, vous validez, et j'aurai encore d'autres explications à vous donner, en vous prenant vos noms, pour commencer déjà à donner son groupe d'intercession, et puis commencer déjà, n'est-ce pas, à mettre ça dans un sujet de prière très sérieux. Parce que vraiment, cette fois-ci, nous voulons encore voir plus de délivrance, plus de miracles. Voilà, donc ça serait vraiment hors caméra, très bien organisé par la grâce de Dieu, parce qu'au fur et à mesure, on ne fait que s'améliorer. C'est pour vraiment vous aider par la grâce de Dieu. Donc, ne manquez pas ce grand rendez-vous à Rabat. C'est du 26 au 30. 26 au 30. Vraiment, appelez M. Jéropole et d'insister qu'il vous donne mon numéro pour qu'on puisse être en contact. Vous puissiez même confirmer votre arrivée. Mais donnez-le déjà le nom pour que je puisse commencer déjà à prier en donnant ça au groupe d'intercession. Voilà, donc le rendez-vous est pris. Le 26 au 30 août, Shalom, que Dieu bénisse.